D'abord, nous remercier, nous-mêmes qui venons là aujourd'hui, hein, nous-mêmes la presse, puisque nous faisons déplacement pour couvrir pour une presse ça que nous avons fait. Nous, depuis la semaine dernière, là, nous avons fait sortir une note qui c'est un appel pour un réveil national. Nous voulons déjà remercier nous déjà qui avons déjà fait promotion de appel ça. Mais nous avons décidé de faire point de presse ça parce que le point que nous voulons couvrir est extrêmement important et nous pensons que là, nous avons sollicité aussi l'apport, l'appui et la force que la presse là représentait pour nous pour nous faire passer appel ça. En effet, je dis à beaucoup plus que hier. Nous constatons que pays noir en plein désarroi, pays noir déconstombré net. Insécurité a géré pays nous. Nous pays un monde qui censé à l'aise de jeunes d'ap fonctionner, je dis à l'autre pays. Sur pays côté nous pas gain ni recours ni secours. C'est une population qui s'est livrée à lui-même. C'est un côté kounye, ce n'est presque pas un pays, c'est un côté que un bon monde la guerre dans la rue, le banditisme gagné totalement les rues. Situation économique moins désastreuse. Il y a des gens qui vivent par contre qui je vais pas lever demain, qui je vais pas lever après demain, qui je vais pas lever Timoun. L'on ne sait pas qu'on s'il a pointé Wapton qui joue et qui le l'a tourné, nous pas vivre. Chaque moment, nous tendons, la presse a rapporté, ben, ils font bien kidnapping à droite, ou bien on tue l'autre à gauche, ou bien que gagne des débarquements, des fêtes de des zones côté que c'est pratiquement des massacres qui organisés. Conditions sérieuses, c'est des conditions qui terrible côté que une nation, une population pas doit vivre. Nous dit que c'est vrai que population a cherché aujourd'hui un capitaine qui pour mener un bac pays à bien, qui a cherché un leadership responsable. C'est vrai que population c'est ça l'a monté. Mais c'est vrai tout que si en 1987 nous avons fait une constitution et nous avons une constitution qui vient amendée après, que choix population c'était un choix de processus ou bien de la démocratie. Dans le cadre de ça, si c'est démocratie que nous avons cherché, effectivement, voie qui rationnelle, voie qui normale là, c'est la voie électorale. C'est ça qui est plus logique pour nous mettre la Constitution. Cependant, là nous regardons, est-ce que le contexte que nous vivons aujourd'hui, le contexte a prêté nous à ce qui est des élections. Le cadre, je n'ai évolué, je veux dire, la situation côté pays ailleurs. Et si dans l'élection, qui est-ce qui prend mener campagne, Jean Bagalaïa. Nous pensons que nous tous, il est évident pour nous tous que conditions pas réunies, pas acceptables pour aller dans ces élections. Si nous voulons aller quand même tête baissée dans l'élection, nous-mêmes, au niveau collectif, 4 décembre, nous dit que ce serait pour le malheur de notre pays si Jodia nous décidait pour nous avoir l'élection. Jean, condition, il est là. D'ailleurs, passé nous, 2000, 2006, 2011, montrer que l'on fait des élections dans des conditions aussi mauvaises. Là, il y a fait des élections côté que conditions pas là
côté que l'atmosphère n'est pas appropriée lorsque des élections ou des choix ou des nominations d'élus. Nous remarquons que chaque fois que ça arrivait, la population dit que lui-même n'est pas la donne et la population de plus en plus n'est pas intéressée dans faire l'élection. Et où il y a beaucoup moins de citoyens à participer, à choisir le monde que le tarémé qui dirige le pays à tous les niveaux. Là où il y a un stade comme ça, côté que la population boudée partie pour l'élection, parce que c'est l'enredi, c'est l'engrain par grain qui va mener le monde pour mener le monde faire voter ou bien pour mener le monde acheter voter ou salier, qu'on réussit que deux, trois monde qui a voté. De plus en plus, participation descend totalement. Nous parlons de 700 000 personnes, nous parlons de 500 000 personnes. Bref, nous avons une population qui vraiment pas participé. Or, là, ça arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a élu, il y a pratiquement illégitime. Parce que, basé sur 2-3 personnes, sur 12 millions d'Haïtiens, légitimité ou non, pas là. Et la légitimité a pas là, qui réaction élu? Automatiquement, il dit lui-même l'obligé, la gérer une équipe de crise qui a vu une derrière l'autre, une plus fort que l'autre. Donc, la gérer des crises au lieu que le gérer au pays pour essayer d'améliorer la situation générale haïtienne. Donc, là, c'est sacrifié et c'est le cycle ça que l'on a plaidé entre la donne. Depuis nous arrivons à un style d'élection qui forçait, qui obligeait. Parce que si on le cadre ça, on voulait obliger l'élection, il faut croire que nous n'avons pas considéré le pays, il faut croire que ce n'est pas le pays qui est vraiment base de raisonnement. Parce que il n'est pas possible que vous faites toute série d'années pour simplement gérer la crise ou pas venir productif. Ou pas venir aider la population, ou pas venir développer le pays, ou pas venir aider les jeunes qui ont besoin de qui a venu. Bon, donc, force est de constater que il est certain, nous-mêmes nous convaincus au niveau collectif 4 décembre, que envisager des élections aujourd'hui, c'est une catastrophe. Que qui t'a paré pour payer loin. Ce serait totalement indécent, impensable, parce que ça ne nous amènera à rien d'autre que de descendre de plus en plus bas la situation pays loin et nous pas jamais carré devant nous. Donc, qui ça nous propose? Nous-mêmes, nous dit, non, ça, c'est pas nous. Il faut que d'abord que tu créer conditions adéquates pour que des élections capables faites, des élections que nous dit qu'il y a des élections qui simples, qui honnêtes, qui sérieux, côté que population a participé pour le choix de gestionnaire lié. Pour ce faire, Gombaga qui à la base qui importe. Il faut que entre population et équipe qui a mené un pays, il y ait une affaire qui est essentielle et c'est la confiance. Donc nous-mêmes nous dit pour aller vers l'électoral, il est important que vraiment et c'est ça que nous-mêmes n'avons prôné. Parce que de parler, nous voulons un changement. Donc nous-mêmes, nous disons qui ça nous dit. Nous faisons un appel pour un réveil national, pour nous refonder la nation, pour nous remembrer la nation, pour nous rejoindre un pays. Mais refondation, ça, il est possible que lorsque ou gagner d'abord confiance qui est indispensable et
que nous gagnons des élites, nous capables venir avec des élites qui des gens, qui des patriotes responsables. Malheureusement, même au niveau de l'élite, nous avons une bonne partie de l'élite qui marche dans le pied de table. Donc, nous pouvons refaire le pays. Donc, nous devons refonder le pays. Nous devons relancer le pays, nous. Dans le cadre de ça, nous disons que pour nous aller vers la refondation du pays noir, pour nous aller sur une nouvelle base de façon que pas aucun monde que bois long kembe, mais que tout le monde qui a participé, il faut que nous gestion de ça nous voulons. Il faut qu'on gestion de temps que nous avons besoin pour mettre tout le bagaille en place. Et c'est pour ça que nous disons que gestion ça, il faut que nous soyons faits et nous faire appel à toute société. Pour qu'on fasse appel à quatre choses qui importantes, cinq choses pour nous mettre sous pied. D'abord, il faut que période de transition, ça, parce qu'on a parlé donc, à ce moment-là d'une transition fondatrice qui pour ramasser tout le monde, pour créer un climat de confiance. Là. Pour deuxièmement, réunir tout le monde, parce que leur confiance là, est capable de réunir tout le monde, tout acteur, tout secteur, pour ensemble définir qui vision nous avons pour Haïtiens de demain, hein? Qui vision nous avons pour pays, nous, qui ça nous voulait pour Haïti. Hein? Maintenant, là, nous finissons de mettre d'accord sur qui vision nous avons pour les 25 ou les 50 ans, ensemble, mais dans un langage franc, ouvert et qui n'est pas biaisé, c'est-à-dire qui n'est pas de force côté, qui n'est pas aucun passe pour qui, côté que tout le monde indistinctement capable de participer là-dedans. Là, nous finissons d'établir vision pour nous en ensemble, pour nous mettre en place les structures qu'il faut pour accompagner et vision ça. Et cette structure, c'est quoi? C'est une nouvelle constitution. Donc, c'est à partir de là, l'offre d'établir confiance, l'offre d'établir quand on voulait aller, qu'on en fait, on met une constitution pour dire, OK, mais qui ça nous besoin comme outils pour nous amener à rêve que nous avons pour une démocratie, rêve que nous avons pour Haïti. Ou Haïti cap prend devant. Troisième point, il faut nous remettre en place pendant une période de transition fondatrice. Nous mettons en place toute institution qui régalienne nous, ça qui corrait, qui membrait le pays pour aller de l'avant, pour être capable d'organiser des élections, des joutes électorales. Qui a la hauteur de valeur que nous gagnons en Haïti, parce que nous avons une bonne valeur que nous ne pouvons pas connaître malheureusement. Mais il faut que nous arrivions là-dedans. Et finalement, nous allons vers, en dernier lieu, vers des élections générales. Maintenant, donc, quand on nous dit, pour nous faire tout ça, nous avons un certain. Sa transition, ça, pas ta cap. Fait pas capable réaliser si acteur capable assumer transition ça yo pas des acteurs qui crédible qui honnête qui patriote qui a une vision qui a assise côté que avec confiance nous capable à la veille. Donc et ça c'est un bagage qui est essentiel. C'est pour ça que nous-mêmes nous disons, au niveau du collectif là, qui sont regroupés de citoyens engagés et d'organisations qu'il a pour la promotion du citoyen. Nous disons nous-mêmes, au niveau collectif là, nous prêts à accompagner le processus démocratique ça, pour que c'est nous tous qui venons bénéficier. Là, ça doit servir éventuellement de facilitateur pour que nous fassions assise ça pour le bien de tous les Haïtiens, pour le bien du pays en général et pour le bien de tous ceux qui vivent, soit sur notre territoire, soit à l'étranger, ça que communément nous appelons diaspora.
Donc finalement, pour finir, nous lançons un appel. Nous appelons solennel par toute force pays noir, toute force nation, pour que dans un rassemblement patriotique, nous mettions en branle tout processus pour faire refondation de notre nation. Nous capables de faire, nous avons des gens qui vont là, nous plein haïtiens, mais nous plein en pile, nous plein haïtiens qui ont des compétences, qui intègrent, qui sérieux, qui patriotes, qui veulent vraiment changement pour le pays. Nous plein pour nous faire appel à tout le monde pour que nous capables dans ce pays. Alors nous dit au moins, vive concertation qui est inclusif, côté que pas de aucun passe pour qui. Nous dit vive transition fondatrice, ça, parce que c'est nous, c'est l'autre approche que lié qu'a fait avec des gens qui choisit non pas à cause de appartenance, mais qui choisit basé sur des critères bien définis. C'est pas moun ko connaît, c'est pas zanmi moun ko choisi, c'est moun quel que soit côté lié, quel que soit côté sorti, quel que soit à particulier appartenue, pourvu que moun répond à des critères notamment intégrité, patriotisme et compétence. Trois critères de base. Depuis que Mounsa Gael, c'est Mounsa que nous avons besoin pour assumer la transition. Et puis nous disons, pour finalement vivre une confiance qu'on aura rétablie pour le meilleur avenir de notre pays. Merci. Ouvert. Oui. Pourtant, il y a un secrétaire d'État américain, Michael Kozak, qui lui-même conclut, lui dit que le parti souhaité que Haïti gagne élection pour rétablir le Parlement le plus tôt possible. Ce qui réaction par rapport à l'État. Ok. Nous-mêmes, vision pas nous, c'est vision pays nous, c'est vision avenir nous. Tout le monde, quel que soit le monde, il y a des opinions. Que la dit ça le voulait. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, haïtiens qui vivent dans le pays, nous sommes parés pour affronter les problèmes qui sont les conditions qui sont pour aller dans des élections qui ne sont pas possibles que nous vivions là? Est-ce que c'est ça le besoin? Est-ce que nous voulons satisfaire un individu ou satisfaire un pays ou satisfaire une tierce personne? Ou bien est-ce que nous voulons satisfaire les besoins nationaux? Nous-mêmes, ça nous garde. Nous ne pas garder. Nous ne pas garder ces bagages-là pour être nous. Nous garder l'avenir pays, nous. C'est l'avenir, c'est le pays qui est en jeu pour nous. Ce n'est pas grand monde, ce n'est pas un pouvoir à droite, un pouvoir à gauche, ce n'est pas un affaire privilège à droite. Non, ce n'est pas ça qui intéresse nous. Nous pas. Merci que nous avons droit d'opinion, nous avons d'opinion tout le monde. Mais nous visons le pays. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est important. Et c'est l'homme paré pour nous capables. Aller de l'avant que nous pensons que nous sommes capables de faire élection si nous vivons le pays. Si ce n'est pas ça que nous dit tout à l'heure, si c'est le forcer faire élection pour une raison ou pour l'autre, sous pression ou pas sous pression, nous décidons de faire élection, nous ne pouvons pas faire. Maintenant, à quel coût? Et c'est là ça que nous allons commencer encore à gérer de crise en crise en crise et d'en continuer à détruire le pays nous si nous allons aller dans ça. Oui. Donc, question ouverte, oui? Non.